prophète. Et je prends ce prix avec humilité. Je le dédie au peuple sénégalais. Au nom duquel j'essaie d'accélérer le développement économique, social. Je le prends également comme un prix d'encouragement, surtout à poursuivre le chemin parcouru et à accélérer la cadence, puisque tu as raison, l'Afrique doit rattraper son retard. Le rattrapage se fera dans tous les secteurs de la vie, dans le secteur numérique, dans le secteur du football où nous avons quasiment les meilleurs au monde. Les meilleurs talents sont des talents d'Afrique. Nous avons avec le président Gianni, que je salue et que je remercie pour ce déplacement, un partenaire à la FIFA, avec toute son équipe, avec notre sœur Fadma Samoura, que je rends hommage. Nous avons là des partenaires avec vous, monsieur le président Ahmad Ahmad, et la CAF, l'Afrique pourra en tout cas montrer plus que par le passé ce dont elle est capable en matière footballistique, en matière de talent, mais également nous devons construire des infrastructures, nous devons veiller à ce que les fédérations africaines, les gouvernements africains puissent travailler de concert, la main dans la main, puisque les uns ne peuvent pas aller sans les autres. Et il nous faut ensemble bâtir cette Afrique nouvelle, cette Afrique debout, pour laquelle nous nous battons quotidiennement. Je salue les légendes du football africain et surtout les talents également d'aujourd'hui, mais aussi les espoirs de demain. Je vous remercie.